Nous sommes ensemble et ça, ce qui est formidable, c'est qu'on est avec Sorge. Et moi, ça me ravit au plus profond et je suis sûr que pour vous, il sera de même. Et donc, on va parler, bien sûr, de toute la trajectoire, de plein de choses qu'a pu faire Sorge. Non, je me demandais, oui, ça marche, ça y est. Oui, je... ça marche. Et on va parler dans un premier temps. Oui, j'ai essayé de venir avec l'intégralité des livres de Sorge, mais je n'avais pas une besace assez grande. Le dernier commis, pas d'une manière directe, c'est celui-ci. C'est un livre qui rassemble les écrits de Sorge sur l'Irlande. Et donc, une guerre civile, et on va lui poser un certain nombre de questions à ce propos. Alors, déjà, un problème. Oui, ça y est. Il y a l'armée anglaise, ce n'est pas une guerre civile. Non, voilà. Je savais bien que tu allais me reprendre. Voilà, donc et oui. C'est une guerre de libération nationale, voilà. Mais il y a eu, évidemment, un conflit entre civils, oui. Loyalistes, protestants, républicains, mais c'est une guerre... Fondamentalement, c'est une guerre entre un peuple et une armée britannique. Donc voilà, il y avait l'armée, il y avait les chars, il y avait tout ça. Donc c'est pas une guerre civile du tout. Mais bon, c'est ce qu'on appelle une leçon de rigueur. Non, mais tu as droit à deux encore. T'as droit. Ah, j'ai droit à deux. Ouais. Alors, précisément, pour démarrer, je vais demander à Sorge ce qu'il pense de cette citation, parce que on a après tout, une référence commune qui s'appelle Albert Londres. Et Albert Londres, un jour, écrit une lettre à sa fille pour lui faire des critiques, comme toi, tu viens de me faire, sur une rédaction qu'elle a écrite de vacances. Et lui dit, écoute, voilà comment il faut écrire. Et donc, je serais curieux de savoir ce que tu penses des conseils adressés par Albert à sa fille. Et là, Sorge se dit, tiens, je ne connaissais pas cette affaire. Le voici. Mon enfant, le journal de ta promenade en Auvergne était réussi. Quand on raconte ce que l'on a vu, il faut aussi mêler ses impressions au récit. Il faut également bien faire son choix et n'écrire que ce qui vaut d'être retenu. Pour la forme, il faut traduire sa pensée par les mots seulement indispensables et choisir dans ces mots ceux qui rendent le plus justement l'objet dont on parle. Qu'en penses-tu ? Ben, oui, alors je suis d'accord. Il y a trop de mots. Ah ! Mais il y a trop de mots. C'est-à-dire qu'il faut. La première chose qu'on doit faire, c'est couper dans un texte. Il y a trop de mots. C'est l'économie que tu non, mais, souhaites. Mais même pas. Il y a trop de mots qui polluent. Moi, j'ai donné des cours. J'étais intervenant dans des écoles de journalisme, que l'école supérieure de journalisme de Lille, l'ESJ. Et j'ai fait travailler des jeunes sur des faits divers. Le fait divers, le lieu, le fait divers, c'est ce qui requiert le plus de difficultés d'écrire. C'est-à-dire qu'on peut prendre un journal de gauche et de droite, les pages économie, en gros, elles sont à peu près semblables, mais les pages du fait divers ne sont pas semblables. C'est-à-dire que tout d'un coup, dès qu'on touche à ce qui touche aux faits divers, aux crimes, aux meurtres, etc., la gauche et la droite emploient des mots qui sont différents. Mais en tout cas, là, c'était des jeunes, et je les ai fait travailler sur le plus difficile du monde, sur le viol. Écrire un fait divers sur le viol. Aucune n'a écrit le mot viol. Ils ont tous écrit viol abominable, viol atroce. Je disais, mais il y a des viols sympas. Expliquer que dans le mot viol, il y a l'abomination, il y a la saloperie, il y a la violence, et que
ce mot-là suffisait. Et moi, je cherche toujours à ce que le mot suffise. Je t'aime, oh, génial, je t'aime beaucoup, plus rien. Donc moi, c'est chaque fois, lorsque j'écris, je suis bègue. Bègue, et, j'ai toutes les chances, je suis bègue et je suis asthmatique. Donc j'ai un problème, j'ai toujours un problème de mots. C'est-à-dire que quand je... Voilà, ça y est, si j'en parle, c'est-à-dire que moi, les mots ne me sont pas acquis, ils ne me sont pas offerts, les mots. Il faut que je me batte pour les mots. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais qui vient souvent en exemple, parce que c'est le mot rouge. Il y a des lettres comme ça pour les bègues. Le R, par exemple, qui est une lettre qui est difficile. Mais si je n'ai pas le rouge de la pomme est rouge, il faut que j'ai en mémoire, il faut que j'ai tout prêt. Il faut que j'ai Grenat, il faut que j'ai Garance, il faut que j'ai Carmin. J'ai plein de choses pour remplacer le mot. Donc moi, depuis tout petit, j'ai appris à respecter les mots. S'ils ne le respectent pas, ils ne me respectent pas non plus et je bégaye. Donc, tous ces mots en trop, il faut, pour moi, ce n'est pas une sécheresse d'enlever les mots en trop, justement. Et Londres a totalement... C'est-à-dire que ne doit rester que les mots qui comptent. Et tout ce qui ne compte pas doit être enlevé. Ça ne donne pas un texte sec. Au contraire, ça donne un texte palpitant, un oui. texte vibrant. Oui. Donc oui, pour les mots. En revanche, là où je ne suis pas d'accord oui. avec Londres, enfin, si je puis me permettre... Je sais à qui je parle, prix Albert Londres, etc. Je ne pense pas qu'un journaliste doive faire entrer ses sentiments dans un article. Moi, je suis d'une autre époque, probablement, mais je pense que le public, et c'est pour ça que j'ai écrit des romans, on pourra en parler, mais le public se fout totalement de ce que Chalandon pense. Lorsque je suis sur un front de guerre ou quand j'étais dans un massacre, un front de guerre... Ce qui était important pour moi, c'était ce que je voyais, ce que j'entendais, ce qu'on me rapportait. Ce que je pensais ne comptait pas. Pour moi, ça n'avait aucune valeur. Je me fous de lire ce que le journaliste... Quand je lis, moins maintenant, mais quand je lis des articles de journalistes qui passent les trois quarts de l'article en expliquant qu'ils ont pu passer la ligne de front, mais on s'en fout, c'est leur boulot. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe derrière la ligne de front. Qu'on écoute les gens qui y sont, qu'on écoute les gens qui s'ouvrent, qu'on écoute les gens qui se battent. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'a... Ne pas donner à voir, donner à entendre, donner à comprendre, mais ne pas mêler sa propre... Mes larmes, je les garde pour moi. Mes émotions, je les garde pour moi. Tout ça, je les garde pour moi. Et c'est pour ça que j'en fais des romans. Mais en tout cas, j'entends Londres hein, lorsqu'il dit qu'il est important qu'il y ait Londres, qu'il y ait Albert, qu'il y ait le jeune ou le vieux Albert, qu'il soit le vieux, le pauvre, il est mort. D'ailleurs, il est mort le 16 mai. Je suis né le 16 mai. Alors, je ne dis pas... Et le 15, d'accord. Mais je comprends ce qu'il dit. Mais moi, je pense qu'un journaliste... Ne doit pas, un journaliste doit donner à entendre l'effroi des autres, mais son propre effroi, il doit le garder pour lui. En revanche, l'effroi peut être dit par des mots, justement. Ouais. Le choix des mots peut exactement dire où le journaliste en est, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il vit, etc. Mais je ne crois pas, je ne pense pas qu'il faille qu'il se mette en scène. Voilà. Alors, mais c'est pour sa fille. Donc je trouve ça très très bien. Oui, c'était pas pour toi directement. Non, mais c'est pour sa fille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un conseil qu'il donne à des journalistes. Absolument. C'est à sa fille. Absolument. Et donc, juste redire par rapport à ce souci du mot. Du mot exact. Du mot exact. Oui. Il y a, je veux dire. Ça entraîne une musique quand même chez toi. Oui. Il y a une rythmique. Beg. Oui, tu écris beg. J'ai écrit beg, mais c'est marrant parce que ce n'est pas un style. C'est que je n'ai pas le choix. J'entends. C'est-à-dire que quand je parle ou quand j'écris, c'est toujours des métaphores guerrières, mais j'ai l'impression que je suis sous les balles. Oui. Il faut que j'aille m'abriter au point avant de repartir avec une autre phrase. Donc sur les phrases courtes, par exemple... Les phrases courtes me sont obligées parce que dès que je rentre dans une phrase longue, d'abord, un, je me perds et deux, le bégaiement n'est pas très loin. Donc, je suis obligé à la concision, mais à la concision en même temps quand je relis toujours à voix haute. Oui. Parce que la lecture à voix haute, c'est quelque chose qui est bouleversant
Tu sais si tu as raison ou si tu as tort. Tu sais si la phrase est bancale ou pas. Tu sais si la phrase marche. Dès que tu lis à voix haute, brusquement, tu sens si ta phrase passe ou ne passe pas. Et c'est même, il y a des moments où je... alors plus pour la littérature que pour le journalisme, heureusement, mais où je lis à voix haute, mais même je mime, je marche. Et, et c'est là où tu vois si tu trahis ta phrase ou pas. Mmh. Et ton idée, du coup. Alors, on va peut-être commencer par ce livre. Pourquoi je suis un peu troublé là ? Parce que je me disais, mais décidément, il est combattant dès qu'il prend la plume. Oui, moi, je suis une sentinelle. En fait, ça a bien arrangé mes rédacteurs en chef, mes patrons, etc. Moi, je suis un soldat, en fait. Oui. J'ai jamais voulu être sous-officier, officier. Donc, fus quand même. J'assure leurs arrières, mais je n'aspire pas à leur place. J'entends. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très... Donc oui, je suis une sentinelle et je parle, c'est vrai, je parle toujours en termes de combattant, peut-être parce que je suis né dans une époque où encore les enfants en classe se demandaient ce que son papa avait fait pendant la guerre. Ouais. Chose qui n'existe plus du tout. Mais je viens d'une époque, je crois qu'il y avait encore les derniers tickets de pain, etc., où... Et donc, pour moi, la guerre, c'est quelque chose qui a imprimé ma vie. Mon père y est pour quelque chose, très probablement. Mais c'est vrai que même en temps de paix, j'ai beaucoup de mal à revenir en paix, toujours. J'ai eu du mal à revenir en paix, j'ai encore du mal à être en paix. Oui. Et donc, il y a parfois des explosions de... Voilà, je parle d'armes, les mots sous les balles, etc. C'est parce que c'est vrai, la guerre est pour moi un lieu différent de la paix et je suis obligé de pactiser avec. Ce n'est quand même pas un lieu qu'on préfère à la paix. Alors, c'est une question qui est très très compliquée parce que il faut avouer. Moi, j'ai honte lorsque je parle comme ça parce que je connais beaucoup de journalistes et beaucoup de combattants. Et j'en ai été à un moment donné, journaliste. Et c'est indicible. Il y a eu des moments où on pouvait être bien en guerre. C'est terrible. La guerre avec les crimes, avec les morts, avec les bombes, avec les etc. Mais il y a un moment où on pouvait être bien en guerre. C'est une chose qui est inavouable. On ne peut pas le passer. Je suis en train. Mais c'est extrêmement compliqué à entendre et à comprendre. Être en guerre, c'est tout d'un coup, vous êtes dans un lieu où c'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort. Donc, on ne joue plus. On ne joue plus avec personne. On ne joue plus ni avec soi, ni avec les autres. Et c'est ce que j'ai expliqué à mes filles lorsqu'elles étaient petites. C'est-à-dire que être en guerre concrètement, c'est être dans une rue. Ça peut être à Beyrouth. Et de voir une petite fille qui va chercher de l'eau sous les balles et qui risque la mort pour aller chercher de l'eau dans un bidon, et vous rentrez chez vous, à Paris, avec votre enfant qui est devant le frigo en disant « Oh, il n'y a plus de coca, c'est nul cette baraque. » Voilà. Ça, c'est la paix. Et c'est bien. Sauf que quand vous revenez de cet endroit où cet enfant va mourir sous les balles, quand votre enfant à vous dit « C'est nul cette baraque parce qu'il n'y a plus de coca, de soda dans le réfrigérateur », eh bien, vous avez un vrai problème pour revenir en paix, c'est-à-dire c'est extrêmement dur de revenir en paix, alors que c'est un travail, il faut revenir en paix, c'est impératif. Mais le nombre de copains, de camarades, d'amis qui sont restés en guerre pour toujours, soit parce qu'ils ont été tués là-bas, soit parce qu'ils ont été blessés là-bas. Le truc, ce qui s'appelle maintenant le syndrome post-traumatique, qu'on connaît tous, tout le monde connaît, mais on ne savait pas ce que c'était. Ouais. C'était juste... moi, j'ai un souvenir de fou, de folie, je pense. Je revenais d'un front, j'y étais resté un bon moment, et j'arrive en France pour le 14 juillet, les pétards. Les pétards de 14 juillet. Et j'assiste, je vois un groupe de gamins pour jouer qui balance un gros pétard sous une poussette avec une dame. Et je chope le gamin. Heureusement, j'étais avec des amis, j'étais pas seul. Je chope le gamin, il avait un deuxième pétard, je lui mets dans la bouche. J'aurais pu allumer le pétard dans sa bouche. Et là,
C'est la guerre que j'ai rapportée avec moi. Cette saloperie de guerre, je suis revenu avec. Je suis revenu avec. Et donc, le problème, lorsqu'on rentre en paix, c'est qu'on se dit, bon, ça y est, je suis en paix. Non, 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 non. On revient. La guerre est la fin de nous. Elle nous dévore. La paix ne nous dévore pas. La paix, c'est... On se voit demain, ouais, si tu veux. Ouais. Oh, ben, zut, il n'est pas venu. Oh, c'est pas très grave. Ben, si, si, il a... En temps de guerre, on se voit demain. Il faut qu'on se voit demain. Et peut-être c'est ça qui manque à un moment donné. Alors, je dis pas qu'il faut vivre comme si on était en guerre, mais il y a tout un respect, toute une fraternité, toute une obligation qui est faite d'être, de regarder l'autre et de le respecter. Que la paix ne nous offre pas souvent. Parce que la paix, elle n'a pas faim de nous. La paix nous laisse tranquille tout le temps. La guerre, si tu tournes les yeux, tu peux mourir. Donc il faut toujours que tu sois. Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi d'expliquer ça comme ça, assis ici. Mais c'est moi, j'ai vu des journalistes sur le toit des hôtels en pleine nuit quand les combattants commencent à mettre des balles traçantes. Parce que c'est balles traçantes. Et les journalistes couchés sur le dos, regardant les balles, en disant waouh, qu'est-ce que c'est beau. Chaque balle tue. Mais tout d'un coup, tu es couché, tu vois les balles traçantes, et c'est Dieu que la guerre est jolie. Et ça, dès que tu es comme ça, dès que tu penses ça, dès que tu ressens ça, il faut arrêter et il faut rentrer. Parce qu'autrement, tu peux mourir, oui. Et, ou tu peux tuer. Oui. Et si tu tues, tu meurs. Donc, il y a un moment donné, non, la balle traçante est une balle qui va tuer, mais c'est vrai. Mais je me souviens, à Beyrouth, de nombreux journalistes, mais dont moi, couchés, on avait une ou deux bières dans le nez, etc. Waouh ! Et on trouvait ça beau. Or, on parle de la guerre. Et ça, c'est juste, c'est pas possible. Donc, la guerre, elle vient, elle vous agrippe, et en fait, elle vous lâche plus. Jamais. Jamais. Parce que c'est une épreuve de vérité. Et c'est ça que finalement tu y trouvais comme élément de force, de presque de séduction. Alors, séduction, non, du tout. Non, ce qui me... Moi, j'ai été, je le raconte dans les livres, mais j'étais un enfant battu. Oui. Et il a fallu que, pour vivre et pour être père à mon tour, mmh. il a fallu que toute la violence que mon père avait semée en moi, il a fallu que je l'extermine. Oui. Et il fallait que je me confronte à une violence qui était bien supérieure mmh. à celle du père, bien supérieure. Et petit à petit, à cause ou grâce à cette violence bien supérieure, je dis pas que je suis devenu serein, mais en tout cas, peu à peu, j'ai renoué avec les gestes de la paix. Mais je n'ai jamais eu aucune fascination pour la guerre. Quand tu marches dans du sang humain, tu n'es pas fasciné. Mais c'est vrai que c'est une phrase que j'ai utilisée dans mon roman Le Quatrième Mur, oui. qui est devenu le titre d'un livre sur le cancer que j'ai fait après. Je ressentais une joie féroce dans la guerre. Oui. Une joie féroce, c'est-à-dire tant pis. Après tout, tant pis, vivre, mourir, tout ça n'avait plus ouais. aucune importance. Alors que ça, c'est une chose. Et l'autre chose, mais qui m'a appris sur la paix, sur la vie, sur les gens, notamment les massacres de Sabra et Shatila, donc massacres de population palestinienne commis par des Qatarais, par des chrétiens libanais qui avaient la Vierge Marie sur la crosse de leur arme, c'est que c'était des gens ordinaires, des hommes ordinaires. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus terrible dans toutes les guerres que j'ai pu faire. Et quand je rentre, quand je suis dans une assemblée, je me demande où sont les bourreaux ? Où sont-ils ? Parce qu'ils sont là. Parce que le problème, c'est que la première personne contre laquelle il faut que tu luttes, toujours, c'est toi-même, en fait. Et la guerre m'a appris que des gens formidables, formidables, pouvaient un jour devenir des bourreaux. On ne naît pas bourreaux. Et je me souviens, c'est un Qatarais, justement, c'est un chrétien libanais qui, un jour, m'a mis à l'épreuve. Et c'était vraiment... il me dit, tu as un enfant ? Oui, j'ai un enfant. Imagine.
il est enlevé par deux hommes. Il y en a un qui part avec ton enfant et l'autre, tu arrives à l'attraper. Cette personne-là que tu as attrapée, et elle sait que l'autre va tuer ton enfant. Tu es prêt à aller jusqu'où pour qu'il parle ? Oui. J'ai préféré ne pas répondre. J'entends. L'Irlande, oui. Ce combat-là, oui. La guerre des gueux, c'est le premier où tu pars sur le terrain ? Oui. C'est le premier où je pars en tant que journaliste en 1977, à Pâques 77. Et l'Irlande, je n'y connais pas grand-chose. Si, bien sûr, je connais la musique, les chants et les moutons. Mais, la bière, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il y ait une guerre à 2 heures de Paris. Ouais. Et brusquement, ce qu'on m'a présenté comme « the troubles », les troubles, comme les événements en Algérie, une guerre, les événements, « the troubles », et tout d'un coup, j'arrive dans un lieu... En fait, j'ai l'impression qu'on m'a caché que c'était une guerre. C'est-à-dire que là, il y a, pour le coup, il y a des blindés, il y a des soldats. Mon premier fusil et mon premier homme armé, c'était en Irlande en 77. Ouais. C'est-à-dire que moi, on me disait, tu verras, c'est compliqué, les catholiques, les protestants, guerre de religion, guerre civile. Et en fait, il suffit que tu y mettes un pied pour que tout s'éclaire, pour que tu comprennes. C'est d'une simplicité biblique. C'était l'une des dernières guerres coloniales en Europe. Mais juste, il fallait que j'assiste à ça, il fallait que j'y sois, il fallait que je les entende. Et ce que je veux vous dire quand même, c'est on vient là pour un livre. Ce livre, je n'y suis pour rien, en fait. C'est-à-dire que j'ai écrit tous ces articles de 77 à 80, je me souviens plus combien. Et ce sont deux jeunes qui sont venus me voir un jour. Deux jeunes, disons qu'ils sont plus jeunes que moi, donc sont jeunes, et ils m'ont offert des musiques irlandaises qu'ils avaient compilées, un disque de musique irlandaise qu'ils avaient fait eux-mêmes, ils avaient compilé, Marc et Julien, et ils m'ont dit, tiens, est-ce que ça vous dérangerait? On a envie de faire une compilation de tout ce que vous avez écrit sur l'Irlande depuis le début jusqu'au processus de paix. Et moi, je dis non, ça ne me dérange pas, mais bon. Oui. Hein, bon. Eh bien, oui. Et oui. Et donc, ils ont travaillé 4 ans. Oui. Donc, je leur ai offert absolument tous les droits. C'est important. Je voulais qu'ils aient absolument tous les droits. Libération, parce que c'est les articles de Libération, a eu la courtoisie d'offrir tous les droits. Patrick Frillet, le photographe, il y a les photos qui a offert tous les droits. Absolument. Et Le Canard Enchaîné, mon journal. Oui. Le dernier article est. Et dans Le Canard, on veut dire qu'on leur a donné l'autorisation morale de faire ce qu'ils voulaient. Et moi, je suis bouleversé de lire ce livre-là, pas parce que je l'ai écrit, mais parce que je ne me suis pas trompé, en fait. Oui. Et ça, je trouve, c'est très rare. Quand tu relis 50 ans après « Louer Khomeini, Hanouf le château », son visage tellement doux... Et après, tu relis les Khmers rouges, oui. Ah là là, le GRP à Phnom Penh, etc. Et là, je ne retire pas une ligne. Oui. C'est-à-dire que moi, en 77, j'ai rencontré des gens qui faisaient la guerre et qui disaient le jour où on nous acceptera une table de négociation, on arrête, on dépose les armes tout de suite. Et des gens qui, en 77, se battaient encore pour un homme, un vote. Un homme, un vote. Pas des gens qui voulaient plus de droits que les autres, mais autant de droits que les autres. Et Gerry Adams, je vais faire très vite, Gerry Adams, qui était l'ancien patron de Sinn Féin, qui veut dire nous-mêmes en gaélique, et non pas nous seuls, comme disaient les Britanniques, c'est formidable, nous seuls, nous-mêmes, toute cette guerre sémantique, Gerry Adams a toujours dit, nous demandons aux protestants d'Irlande du Nord de devenir la partie protestante de notre peuple. Il n'y a jamais eu... dehors, à la mer, etc., nous demandons de devenir la partie protestante de notre peuple. Et ça a été constant tout le temps. Et dès que Tony Blair, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais dès que Tony Blair a dit « discutons », ils ont dit « on arrête tout seul ». Ils n'ont pas rendu les armes, il n'y a pas eu de reddition. Ils ont dit « on arrête, on dissout ». L'IRA a été dissoute, et alors que tous les autres étaient encore armés, allons-y. Ils y sont allés. Alors ça va être très compliqué, c'est encore très compliqué,
mais ça va, quoi. C'est-à-dire que nous passons d'un peuple qui n'avait pas le droit de vote à des copains anciens prisonniers, je ne dis pas que c'est un but d'être ministre, hein, mais qui sont aujourd'hui ministres, qui sont maires, qui sont conseillers municipaux, qui n'avaient pas le droit de vote et qui ont aujourd'hui, même si c'est extrêmement compliqué, qui ont la possibilité d'exercer leur droit de citoyen d'Irlande du Nord avant d'être citoyen d'Irlande sans Nord, sans Sud, juste 32 comtés, une seule Irlande. Et sans... Ils ont dit on dépose les armes. Alors oui, parce que quand je disais, ils ont rendu les armes, mais à qui ? Hey. Mais non, ils les ont déposées. Et d'ailleurs, c'est important, je ne sais pas s'il y a des Basques ici, mais ce qui se passe en ce moment avec le Pays Basque, c'est la même chose, sauf que les Britanniques ont eu l'intelligence, parce qu'ils déposaient les armes, l'intelligence de discuter, l'intelligence de libérer les prisonniers, parce que c'était extrêmement important. Tous les prisonniers, y compris les prisonniers de sang dans les deux camps, ont été libérés. Et aujourd'hui, les Basques qui ont déposé les armes, les Basques qui ont arrêté la lutte armée, ces gens-là, et nous sommes impliqués, la France est impliquée, l'Espagne est impliquée, on regarde ailleurs, et il y a des petites mesurettes envers les prisonniers, mais c'est l'actualité, ça. Il n'y a pas de paix sans justice, jamais, ça n'existe pas. Tant qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de justice, et tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. C'est une phrase qui peut résonner à propos de l'Ukraine, au mais passage. Bien sûr, bien sûr. Juste redire quelques mots sur ce livre qui est extrêmement clair, pédagogique. C'est gentil. Avec des cartes, avec des rappels d'histoire. Ils n'ont pas fait que du découpage d'articles. Absolument pas. C'est un vrai c'est travail une somme éditorial. Qui est magnifique. Absolument. Qui est magnifique. Il y a même une photo tout à fait sympathique de toi avec Serge Julie. Ouais. On était jeunes. Absolument. Ouais. Et puis, il y a bien sûr tous tes papiers. Tu as fait allusion au papier du canard enchaîné. Oui. Le livre aurait quasiment pu commencer par ce papier-là qui, oui, quelque part, donne les clés, oui, de ce qui s'est passé. Alors, donc, vous restez. Hein. Il y a la... Ou pas. Mais on est d'accord. Hein. Non, mais alors... Le papier du canard enchaîné donne les clés, c'est-à-dire que c'est après tout ce temps-là, bah, brusquement, Sinn Féin devient le premier parti en Irlande de Nord et Sud, en voie. Donc, c'est juste, c'est fait, ça y est. Moi, je suis fatigué, mais je suis heureux. Commencer par ça, je pense que c'était pas bien. Je pense qu'il fallait suivre la progression avec... Sûr. Toute la souffrance dans tous les camps, hein, dans tous les camps. J'ai couvert plein de conflits. Le Liban, la guerre Iran, Irak, la Somalie, etc. L'Irlande, ouais, et les Irlandais républicains, les, ouais, catholiques, comme on dit, les catholiques irlandais, ce sont les seuls, dans tous les conflits armés que j'ai pu faire, ouais, qui m'ont conseillé d'aller dans l'autre camp pour, ouais, comprendre ce qui se passe. Wow. Personne n'a jamais fait ça. Imaginez un officier israélien qui me dise « ce serait bien d'aller voir un peu le Hezbollah pour comprendre ce qui se passe dans la région. » Ou un chef du Hamas disant « tu devrais aller en Israël un petit peu. » Personne ne l'a jamais fait. Eux, chaque fois que j'étais trop dans leurs pattes, ils me disaient « Serge, t'es en train de... tu perds du temps. » Et ça, je me souviens, je ne paraphrase pas, c'est quasiment une citation. En face, chez les loyalistes, chez les protestants, il y a aussi de la peur. Oui. Cette peur-là, si tu ne l'entends pas, si tu ne l'écoutes pas, tu te trompes. Oui. Et ton travail à toi, Chalandon, mais j'étais là, oui, chef, c'est de rendre compte des deux peurs. Si tu ne rends pas compte des deux peurs, juste les pauvres catholiques, les méchants protestants, tu vas te tromper. Il y a une classe ouvrière protestante qui a été asservie par sa bourgeoisie, etc. C'est-à-dire que, brusquement, en ce moment, il y a des protestants qui votent Sinn Féin. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a une classe ouvrière catholique et dont ils sont plus proches que de la bourgeoisie loyaliste, unioniste, qui ont leur maison en Écosse au cas où ça tourne mal. Donc, moi ce qui était important, c'est que non seulement j'étais dans un conflit qui m'intéressait. Alors là, je n'étais pas du tout... Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout la guerre, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette armée de gueux, oui, qui écrivait sur les murs « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Pas après. Nous, c'est la question qu'on se pose. Eux, la question, c'est « Y a-t-il une vie avant la mort ?»
qui disait Dieu nous a fait catholiques, le fusil nous a fait égaux. Et ces gens-là, moi, je venais du marxisme, etc. Et là, je me retrouve avec des révolutionnaires qui ont des cols cassés et des petites cravates, oui. qui ont des têtes d'employés de banque, James Connolly, etc. Ouais. Et je me retrouve en face de ces gens-là. Et la première armée rouge avait dit Lénine. Mais en tout cas, je me trouve avec ces simples gens qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est les mêmes droits. Mais si, à mon âge, lorsque j'étais jeune, je n'ai pas entendu ça, c'était... Voilà. Donc, moi, j'ai suivi l'Irlande, pas parce que c'était une guerre, en fait. C'est pas ça du tout. J'ai suivi l'Irlande comme un moment de la transformation d'un pays qui était véritablement opprimé. Il y avait un apartheid anticatholique. Absolument. Le président de la République d'Afrique du Sud, à un moment donné, avait dit « Donnez-moi une seule loi en vigueur en Irlande du Nord et j'écrase de... » Ouais. Voilà, c'était un lieu où des armes ont été testées, où les Britanniques en avaient fait un terrain de jeu, ouais. un terrain de jeu répressif, etc., avec des lois comme le Special Powers Act, où on était arrêté, incarcéré, sans jugement, sans procès, c'est-à-dire qu'ils ont tout eu. Et ils n'ont jamais laissé tomber. C'est-à-dire qu'il y a eu la lutte armée, c'est vrai. Il y a eu les guerres, c'est vrai. Il y a eu les bombes, c'est vrai. Il y a eu les armes, c'est vrai. Mais toujours dans un seul but, c'est dès qu'un Britannique va nous dire « Dites ce que vous avez à dire, on dépose tout. » Et moi, j'ai vu des combattants irlandais qui, contrairement à d'autres pays, n'avaient pas ce truc phallique avec l'arme, le mec, son arme, oui. son... Jamais. Moi, j'ai vu des gens qui rentraient d'opérations militaires et qui vomissaient et qui pleuraient. Et il y a une très, très belle phrase d'un patriote irlandais qui disait je n'en veux pas aux Britanniques de nous avoir arrêtés, de nous avoir torturés, même de nous avoir tués. Moi, je leur en veux de m'avoir obligé à tuer. Jamais je n'ai entendu ça sur aucun front de guerre. Aucun. Jamais. Ces gens ne sont pas des tueurs et l'histoire a fait d'eux des gens qui ont été obligés de prendre les armes. C'était eux ou rien. Mais quand on dit ça en 77, mais on est le terroriste de la mort qui tue. On est l'épouvante. Mmh. Aujourd'hui, lorsque je reparle, tout le monde est d'accord. Hein, mais les Irlandais, c'est pas pareil. Ils sont vachement sympas. Ah ouais ? Mais où étiez-vous dans les années 70 ? Mmh. Parce qu'en fait, on était très, très seuls à... En fait, un, ça n'intéressait personne. Deux, personne ne comprenait rien. Et trois, en plus, c'était extrêmement dur de travailler. La Grande-Bretagne est une démocratie. C'est extrêmement dur de prendre les armes contre une démocratie. C'est très compliqué. Mmh. Et donc, en rendre compte comme journaliste, en étant impartial, si possible, c'est extrêmement difficile aussi. Et on prie. Je sais pas, mais en tout cas, on espère jusqu'au bout qu'un jour, les Britanniques disent « Allez !» Et ce jour-là, moi, je me souviens, j'ai pleuré. C'est-à-dire, enfin, ils déposaient les armes. Enfin, ils déposaient les armes. Et quand je vois dans la presse irlandaise, là, qu'il y a des dissidents républicains qui ont refusé de déposer les armes, ouais. qui sont en train de mener des petites opérations mmh. avec des paramilitaires loyalistes, c'est-à-dire du camp d'en face, oui. ensemble. Mmh. Je me dis, voilà, c'est là... Ils sont dévoyés. Mmh. Alors, vous voyez cette vigueur mais incroyable. Non, mais c'est le mieux de la fin. Et c'est cette vigueur que vous allez devoir éprouver en lisant tous les livres. Parce que tous les livres de Sorge réclament cette vengeance. Sorte d'énergie à le lire, à continuer à vivre ces guerres, à aller voir ce qui nous fait dire à Sorge, bah, décidément, oui, c'est vrai. Avec ces guerres, en les lisant, on ne se souvient pas si on les a vues ou si on les a lues. C'est quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un Parce écrivain que... ou à un journaliste. Oui, mais la question, c'est que tu n'écris pas n'importe comment. Tu écris avec une manière de ciseler
toutes les introductions de tous tes articles sont comme ça. Oui. Par exemple, au hasard, même si bien sûr j'ai mis une grosse feuille rose, le clergé catholique d'Irlande du Sud a quitté la soutane pour l'armure et le goupillon pour le sabre. Et allons-y. C'est banal. Pas tant que ça. Au journal télévisé, on n'entend pas souvent ce genre de phrase. Au quoi, je pense. Tu veux dire de grâce. Sur quelle chaîne? De grâce. Et donc, moi, je voudrais savoir, quand tu étais sur le terrain, t'écrivais ça à quelle heure pour que ça tombe au journal? Alors, ce qui est formidable, c'est que il n'y avait pas Internet. Eh oui. Je parle pour les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et donc, la première chose qu'il fallait faire, c'est trouver une poste. Oui. Il fallait pouvoir envoyer l'article. Oui. Et donc, j'écrivais ça souvent au pied de la poste ou quand il y avait un téléphone, ce qui n'était pas évident. Parce que c'est par téléphone que tu dictes. Hein. Absolument. Voilà. Sinn Féin. Quoi ? Alors, S-I, 2 N, F... Accent aigu. Accent aigu, oui, c'est du gaélique, c'est pas de l'anglais. I-N. J'ai pas entendu, tu peux répéter. Alors, S-I-2-N. Quoi ? F ? Non. S comme Suzanne. Ah oui, non, mais c'était ça. Ouais. Mais c'était magique. C'était magique. Alors évidemment, le lendemain, dans le journal, c'était écrit Fifen. Évidemment. Mais évidemment, c'était mais évident. Mais l'écriture... Oui. On te voit sur le trottoir de la poste, là, en oui. train de rédiger. Oui. Ça veut dire que c'est combien de temps pour un papier ? J'ai toujours fait très, très vite. Ça, c'est ouais. C'est-à-dire que je me souviens de manifestations où j'écrivais en marchant. Ouais. C'est-à-dire ? Ben, j'écrivais en suivant la manifestation. Je me souviens quand... Avec des carnets ? Oui, oui. Ah. J'ai toujours eu... Des carnets à spirale. Oui. Et tout ce qui était sur les pages de droite, c'était pour le journal. Toujours. Exemple, un soldat britannique est tué par un sniper. Ça, c'est sur la page de droite. La peur que j'ai eue, moi, quand le coup est parti, lorsqu'il est tombé, ça, c'est sur la page de gauche. Ma peur, on s'en fout. Mais un jour, je sais que avec toutes mes pages de gauche, la somme d'une page de gauche feront un roman. Mais en tout cas, sur la page de droite, c'est que veut le journal ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Qu'est-ce qui... exemple, il y avait l'enterrement... Alors, il y avait trois membres de l'IRA qui avaient été tués à Gibraltar par les Britanniques, oui. par les SAS. Oui. Et à l'enterrement des trois de Gibraltar, à Belfast, il y a un loyaliste qui s'appelait Michael Stone... et qui attaque les funérailles, et qui jette des grenades dans les funérailles, et qui tire dans les funérailles. Là, je suis dans les funérailles, je cours vers Michael Stone en écrivant. J'écris, parce que je sais, en plus avec le décalage, on est défavorisé, et je fais dire que il faut que j'envoie cet article vite, et il faut que ça soit dans ce feu-là. Je ne peux pas rentrer à l'hôtel en disant « Alors, non, non, il faut que j'écrive avec la poudre. » Parce qu'autrement, je ne sais pas décrire la poudre. Il faut qu'elle soit autour de moi pour que je puisse la... Il faut que j'entende les coups de feu pour que je puisse les décrire. Je ne peux pas... Je peux pas. Moi, j'ai un immense respect et une immense admiration pour les photographes de guerre. Oui. Parce qu'ils y sont. Oui. Soit tu y es, soit tu y es pas. Oui. Si tu y es pas, ben t'as pas la photo. Mmh. Et je me souviens de journalistes écrits dans les guerres qui restaient à leur hôtel. Mmh. Et quand toi tu rentrais, ils disaient alors raconte. Et ils notaient et ils y étaient. Lorsque Bien tu sûr. Lis, après ils y étaient. Et donc moi j'ai toujours été proche des photographes parce que je savais qu'en étant avec eux, dans leur sillage, j'étais au plus près de ce qui se passait. Et ça pour moi c'est un. C'est la moindre des choses que l'on doit au lecteur. Que le journaliste doit au lecteur. Que le journaliste doit au lecteur. Mais donc tu te rends compte que tu es en train de nous dire, moi je suis dans la violence, je suis immergé dans la violence. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde, mais bien sûr.
Et je ne peux pas écrire si je rentre à l'hôtel, je peux pas prends une douche. Non, ou... je ne peux pas laisser reposer ça. J'entends, mais quand tu écris tes livres, ça veut dire que tu les as laissés... J'y retourne. C'est-à-dire que quand j'écris, quand dans le quatrième mur, j'écris Georges qui rentre à Chatila et à Sabra après les massacres, j'y retourne toutes ces années. Après, je ferme les yeux et j'y suis. Et il y a les essaims de mouches, et il y a l'odeur, et il y a le silence, et il y a les femmes qui hurlent. Mais c'est-à-dire ces images qui ne m'ont jamais quitté, et je les convoque. Je veux que ces images reviennent. Et ce qui est terrible, c'est que l'entrée dans Sabra et Chatila, que j'ai vécue en tant que journaliste, je m'étais dit, il ne faut pas que je relise ce que j'avais écrit à l'époque. Surtout pas. Ah. Et j'ai relu, après avoir écrit le roman, c'est presque au mot près l'article de Libération de l'époque. Presque au mot près. C'est-à-dire que c'est tellement ancré, c'est tellement violemment imprimé que presque au mot près, j'ai refait non pas un article, mais dans un roman où Georges, metteur en scène de théâtre, entre à Sabra et Chatila, Georges et Sorge ne font plus qu'un. Et là, je me retrouve, je ne cherche pas mes mots, ils sont là, ils ont toujours été là, ils ont toujours été avec moi, ils m'ont suivi, et je retrouve les mots de Libération dans ce livre, Le quatrième mur. Et ça, c'est bouleversant, parce que il y a des gens qui m'avaient dit, mais alors donc, tu as relu ce que tu avais fait? Certainement pas. J'ai fermé les yeux et j'y suis retourné. Parce que écrire pour moi, écrire des romans sur la violence du père, sur la trahison irlandaise, oui. Sur le quatrième mur, donc la guerre, c'est y retourner. À chaque fois, je veux y retourner, je veux être confronté à ce que j'ai vécu en faisant un pas de côté léger, pas de côté, en me regardant avec une identité qui est différente. Ouais. Dans un livre, je suis metteur en scène de théâtre, je suis Antoine, je suis luthier. Voilà, je suis un, mais j'y retourne. Ouais. C'est-à-dire, je suis et d'ailleurs c'est terrible parce que je suis obligé de m'isoler. Il y a rien de pire que de rentrer à Sabra et Chatila quand tu écris ça avec la porte qui s'ouvre. Avec ton enfant qui arrive, quand est-ce qu'on dîne ? C'est juste pas possible. Donc là, quand j'écris ça... C'est la nuit ? Oui. Il faut qu'il n'y ait personne. Il faut que je sois absolument seul. Il faut que la vie n'entre pas. Il faut que la paix n'entre plus. Il faut que je sois seul. Là-bas, que j'y retourne. Et là, tout revient, en fait. Tout revient parce que rien n'est jamais parti. Je voudrais juste lire quelques-uns de ces mots. Je suis entré dans le camp, je suis entré dans le désert. Odeur d'ordures brûlées, de rance, d'égout. J'ai pensé au silence de Marouane, le jour se levait avec peine, le vrai. Les fusées éclairaient encore Sabra, de l'autre côté j'ai marché. Avancé presque en aveugle, je suis entré en enfer par un boyau, une ruelle dont je pouvais toucher les murs en écartant les bras. J'ai vu le premier mort, un homme pieds nus, en pyjama. Il était couché sur le ventre, écrasé dans la poussière. Je me suis agenouillé, j'ai reculé, main sur la bouche, pour chasser la charogne. C'est ça que tu as revécu. Oui, c'est ça que j'ai revécu. Et intact. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots en trop, là. Oui. Tu vois, c'est vrai. Repousser la charogne, c'est. Mais c'est très compliqué d'expliquer ça. C'est la violence. Quand j'écris le quatrième mur, des fois je me pose la question, mais pourquoi j'ai écrit ce livre au juste ? Et j'ai eu le prix Goncourt des lycéens grâce à ce livre-là. Et j'ai compris pourquoi j'avais écrit ce livre. Le prix Goncourt des lycéens, c'est un moment où tous les goncourables possibles sont assis face à des myriades de jeunes dans des cinémas de province, à Paris, partout comme ça, et qui vous interrogent sur votre livre. Et c'est bouleversant, parce qu'ils sont cash. C'est pas comme moi. C'est pas les informés. Et j'expliquais aux jeunes... que quand j'étais rentré à Sabra et Chatila, jamais, nous étions trois à rentrer ensemble. Il y avait Samy Ketz de l'agence France Presse,
il y avait François Luizet du Figaro et Chalandon de Libération. Je vous rassure, il n'y a pas de gauche et de droite lorsqu'on est sous les bombes. Il y a juste des garçons et des filles qui veulent rentrer vivants. Et j'ai écrit et j'ai dit aux jeunes qui étaient là, jamais je me suis senti aussi seul de ma vie, jamais. Parce qu'on poussait les portes, je poussais, on s'était séparés tous les trois. Et derrière chaque porte, il y avait des morts, il y avait encore des morts et encore des morts. Et il y a un jeune, c'était à Rennes, un jeune qui prend le micro et qui dit, mais monsieur, vous n'étiez pas seul, on était là. Formidable. Si tu ne sais pas pourquoi tu écris, Si tu ne sais pas, si tu te poses la question, mais après tout, c'est vain, à quoi ça sert, tout d'un coup, tu as un gamin qui te dit que dans sa bras, il était là. Et ses copains étaient là avec toi. Et plus jamais, tu remontes le camp seul. Parce que ces gamins sont là. Écrire, c'est ça. Pour moi, c'est ça, écrire. C'est pas raconter des histoires. C'est surtout pas, parce qu'on me demande de temps en temps, mais est-ce que ça vous permet de guérir? Mais pas du tout. J'ai pas envie de guérir. J'ai pas envie de guérir. Ça. Si je veux guérir, je vais voir un freudien, un lacanien. Je veux pas qu'il y ait de guerre de psy. Mais je veux partager quelque chose. Partager un effroi, partager une douleur, partager une violence, partager un amour, je sais pas, mais... Et brusquement, c'est en une phrase, un jeune me rappelle pourquoi est-ce qu'on écrit. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Vous n'étiez pas seul, monsieur. Et pour moi, c'est... Voilà. Mais écrire, les mots permettent quand même de faire baisser l'intensité du mal. Je me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. Je crois que baisser l'intensité, je ne crois pas. Tu peux lui donner corps. De vivre aussi. Avec. Non. 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 La phrase que je supporte le moins, c'est tourner la page. Moi, je tourne aucune page. Je ne veux pas tourner les pages. On voit ça. Ah, moi, je ne veux pas. Je veux vivre avec Chatila. Je veux vivre avec Klaus Barbie, avec les enfants d'Izieux. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux que ça soit inscrit. Dans mon livre à moi, sur mon soc, je veux pas tourner les pages. Je veux rien oublier. Mais le problème, c'est qu'à force, tu promènes avec un sac de pierre qui est immense, quoi. De douleur. Oui, mais ça, chacun les siennes. Mais j'écris pour être avec ce gamin dans Sabra et Chatila à mes côtés. Pas pour guérir de Sabra et Chatila, pas pour ne plus y penser, pas pour plus l'entendre. Je veux que des jeunes qui jouent à la guerre avec des PlayStation, ça s'appelle plus comme ça maintenant d'ailleurs, des MP3, je sais pas quoi, qui viennent me voir après en disant, monsieur, je crois que je vais pas jouer à la guerre tout de suite là. C'est parce que la guerre dont vous me parlez là, pour moi, c'est absolument insupportable. Et s'il y a ça, c'est-à-dire même si ça dure une heure. Mais si ces jeunes qui jouent à la guerre ensemble sur leur écran vidéo, si tout d'un coup ils disent que la guerre c'est ça, la guerre c'est Sabra et Chatila, la guerre ce sont ces enfants, la guerre c'est Izieux, si à un moment donné, même si ça ne dure pas, s'ils acceptent que la guerre c'est ce monstre-là, ben je suis ravi. Tu as parlé de tes carnets, d'un côté le journaliste, de l'autre côté l'homme, oui. Et cet homme qui prend plusieurs identités pour parler de lui. Oui. Pour parler de lui, pour... C'est important. Quand je rentre de Sabra et Chatila, ou quand je rentre de l'enterrement des gens de l'IRA avec les nouveaux morts qui ont été faits, etc., je vais rendre compte. Oui. Mais ma douleur à moi... Nous sommes d'accord. Mes larmes à moi, ma tristesse à moi, elle est où? Dans les romans. Voilà, mais donc c'est pas, je ne raconte pas mon histoire, c'est je me réapproprie le jeu en fait. Oui, tu te donnes l'autorisation. Je me donne l'autorisation de pleurer, tout simplement. Absolument. Voilà. Ou de rire, hein. Je suis pas que. Mais je donc. Je suis pas qu'une, voilà, une pleureuse. On va dire. En s'accrochant à ces réalités-là, vécues, toujours les carnets, le côté droit, le côté gauche, ça interdit toute fiction, tout autre projet éditorial. Alors oui, pour le journalisme, oui.
pour moi, c'est absolument coupé en deux. En revanche, il y a les deux dans les romans. Oui. Mais en journalisme, je ne m'autorise pas à dire au lecteur que... Enfin, d'ailleurs, dans le quatrième mur, donc le livre sur le Liban, Georges, le jeune metteur en scène, croise un journaliste qui est assis par terre et qui pleure. Oui. C'est moi, ça. Oui. Mais je peux le dire. Oui. Même si c'est, je dis pas, tiens, c'est moi qui pleure. Mais ce journaliste qui est assis par terre et qui pleure, enfin, j'ai pu l'avouer dans un livre, mais pas dans un journal. D'ailleurs, c'est pas le lieu, le journal. J'entends. Je crois que tu pousses le paradoxe, entre guillemets, jusqu'à faire dire à Georges, oui, qui est questionné, vous êtes journaliste, et oui, Georges répond non. Oui, absolument. Mais oui, je suis pas journaliste. Mais oui, parce que. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a assez de journalistes dans les journaux, on peut plus en mettre dans les romans, ça, sincèrement. Nous sommes assez d'accord. Oui, oui, non, voilà. C'est... Alors, je crois que voilà, vous avez commencé à percevoir un peu qui est Sorge, qui a cette sorte d'engagement de. Moi, je trouve de force, de tension, il est au bord des larmes. Et comment ne pas l'être avec lui? Et donc, s'il y a des questions, ça n'hésitez va, pas. Ça va, Hervé? Oui. En plus, c'est un salopard. Mais ouais, bien sûr. Mais tout va ensemble. C'est l'élégance de l'émotion. Une question. Ça. Oui, pardon. Moi, je voudrais simplement dire que je connais Sorge depuis longtemps et que c'est pas seulement un salopard, c'est quelqu'un qui peut être très généreux. Et je voudrais que tu nous racontes l'anecdote avec Blondin aux Jeux Olympiques de Moscou, où tu as fait un truc formidable que tu as jamais osé raconter. Je crois que c'est le moment. Alors, Blondin, je t'ai raconté à toi quand même, apparemment. Oui. Bon, tout le monde connaît Antoine Blondin. Voilà, donc les Jeux Olympiques de Moscou, pour les journalistes, c'était pour les journalistes non sportifs, c'était un moyen aussi d'aller en Union soviétique. Et donc les journalistes étaient divisés en deux, ceux qui suivaient l'athlétisme et ceux qui essayaient de se sauver pour avoir une interview de Sakharov. Voilà, c'était ça en gros. Et Antoine Blondin, moi, je le connaissais pas. J'avais lu, mais je ne connaissais pas le bonhomme. Et en fait, je venais de vivre une rupture amoureuse. Et il y avait dans une immense pièce, une immense salle à manger de l'hôtel Rossiya à Moscou. J'étais en train de boire mon café. Puis un petit bonhomme qui était très, très loin, qui me regardait comme ça. On était seul. Il y avait plein de types tout en blanc, tout autour, comme ça, Union soviétique. Et lui était tout seul. Et il dit, oh, Tovarich, t'es français, toi, non? Alors je dis, oui. Viens. Et il vient et il demande deux verres. Un verre ambré et un verre blanc. Il dit, alors, écoute bien. Le verre blanc, là, c'est pour dire au revoir à cette saloperie de nuit qu'on a passée, qui était une merde. Hop, il boit cul sec, je bois cul sec. Et l'autre, c'est une sorte de cognac. Ça, c'est pour dire bonjour au jour qui se lève. Et il prend son cognac. Il me tend la main. Il dit Antoine Blondin. Je dis Sorge Chalandon, le connard absolu. Mais bref. Et on ne se quitte plus. Et Antoine buvait pas mal, quand même. Beaucoup, quand même. C'est-à-dire qu'avec Jean Asfeld, ami de Libération, il arrivait de l'emmener jusqu'à sa chambre pour qu'il dorme. Et un jour, Antoine avait une particularité, il avait une écriture magnifique, avec des plaintes, des déliés, c'est absolument somptueux. Il était ivre-mort, et hop, il se mettait à écrire, et c'était absolument bouleversant, de précision, de beauté, d'élégance. Et Antoine est en train de lire son papier, il le prend, il le jette, puis il se couche. Et moi, je vois le papier par terre. Alors, je le déplie quand même. C'était un type qui faisait des barres parallèles, qui avait une barbe comme lui, donc ça s'appelait évidemment les barbes parallèles, Antoine Blondin, et il travaillait pour l'équipe à l'époque. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Puis on en discute entre journalistes, et je lui dis, je vais l'envoyer quand même, son papier.
Et j'appelle son journal en disant, oui, bonjour, voilà, Antoine est au stade. Il dit, ah, te casse pas, petit, envoie. Va. Et les barbes parallèles. Et donc on dicte, je dicte le papier. Et les Soviétiques avaient fait quelque chose qui était assez étonnant pour l'époque. On avait le journal du lendemain. Le lendemain, on avait le journal du jour qui était là, à l'hôtel. Antoine qui arrive, qui faisait une tête absolument épouvantable. Et quelqu'un dit, hey, les barbes parallèles, Antoine, super. Hein. Il dit, oh, merde, je me souviens même pas que je l'avais envoyé. Voilà. Et c'est... Et pour moi, c'est resté un... Mais c'est normal. Je veux dire, c'est... Mais il y avait risque quand même à envoyer ce papier-là, sauf que moi, je trouvais ça bien. Et puis zut, quand même, enfin, envoyer un papier d'Antoine Blondin, c'était... Mais tu sais, c'est normal, je crois. Non, j'ai pas réécrit. Il y a deux ou trois trucs, mais non, j'ai pas. Il y a deux ou trois trucs. Non, non, ouais. J'ai pas. Ouais. Je l'ai pas signé, je vous rassure, c'était pas possible. Est-ce qu'on a une autre question? Il nous reste 3 minutes parce que après, c'est l'évacuation générale. Madame, j'arrive. Merci. Merci. Bonjour. À Serge Chalandon, dont j'ai lu la plupart des titres, sauf le dernier que je vais m'empresser d'acheter. Je suis animatrice d'ateliers d'écriture littéraire et j'ai très souvent comme participants des journalistes, la plupart du temps des femmes d'ailleurs, et qui arrivent dans nos ateliers dans un état de souffrance absolument indescriptible. De souffrance parce que leur écriture professionnelle est codifiée, est contrainte, et soumise bien évidemment à l'actualité ou à l'objet qu'ils ont ou qu'elles ont à traiter. Et l'atelier d'écriture devient un lieu de libération à la fois de l'imaginaire mais également de l'écriture elle-même. Donc je trouve très intéressant la démarche et l'expérience de Georges et la façon dont il la retransmet avec cette exigence à la fois de qualité, de quête de vérité et d'économie, enfin de modestie, d'épuration de l'écrit, de l'usage du mot et des mots à la manière d'une anamnèse de Barthes, hein, vraiment. Et je voudrais, la question qui me vient en vous écoutant ce soir, c'est comment vous passez du réel à la fiction et comment la fiction était, enfin, comment vous gérez ce passage du réel à la fiction par les mots, par votre talent d'écrivain, comment vous le mettez au service de cette contamination de la fiction par le réel et inversement du réel par la fiction. C'est compliqué. Hein. D'abord, ce que je dois vous dire, c'est que j'entends, moi j'ai plein de copains journalistes qui souffrent de ce qu'ils ont écrit, de ce qui ne passe pas, de ce qui passe, qui a été changé. Moi, la chance que j'ai eue, chance inouïe, j'ai été à la création de Libération en 73, et aujourd'hui je suis au Canard Enchaîné, j'ai l'écriture que je veux. Et ça, j'ai tout à fait conscience, c'est un luxe absolu. C'est-à-dire que personne est derrière moi pour me dire non, il n'y a pas de verbe dans ta phrase, là. Personne. Mais j'ai conscience que c'est d'une violence absolue qui est faite à des journalistes qui essayent d'écrire. On peut aussi faire un article bien écrit. C'est possible. Sur... Fiction, oui. Oui, mais sur en fait, mon écriture, c'est étrange, mon écriture ne varie pas entre le réel et la fiction. C'est la même. C'est-à-dire que je parle du reportage. Moi, je suis un reporter. Je ne suis pas un informé. Je ne suis pas un sachant. Un jour, quelqu'un, pour me faire de la peine, a dit il y a deux sortes de journalisme. Le journalisme du savoir, le journalisme du regard. Toi, c'est le regard. Merci, monsieur. C'est exactement ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde, je m'imprègne, j'apprends, j'écoute et ensuite, j'essaye de restituer. Donc, ce journalisme du... Donc, le reporter, j'ai toujours écrit pareil, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours eu en tête le rythme de l'écriture, essayer de rendre au plus juste les gens, les mots. Mais la différence, c'est que je n'existe pas dans mon travail journalistique. Enfin, je n'existe pas. Je suis là dans le choix des mots. En revanche, j'existe pleinement dans le travail littéraire. Je vais vous raconter une petite
anecdote, parce que je ne comprenais pas François Luizet, Figaro, très bel homme. Il m'appelait Pépé, on l'appelait Pépé ou fils, voilà, j'étais comme un fils, quoi. Et François Luizet, un jour, il me dit, c'est bizarre, Pépé, quand même, parce que moi, je suis au Figaro, journal de facho, toi, t'es à Libération, journal de connard. Il parlait comme ça, Pépé. Et il dit, je comprends pas du tout, pour quelle différence il y a entre nous, en fait. Et je savais pas. On était ensemble au Liban, on vivait les mêmes choses, quelle différence. Et un jour, il me dit, ça y est, j'ai trouvé Chalandon, je sais. Et alors, écoutez bien, parce que pour moi, c'est une leçon d'écriture immense. Nous étions allés à Chatila avant les massacres. Voir un petit coiffeur qui s'appelait Georges. Et Georges, on rentre ensemble, François et moi, dans sa boutique. J'écris, il dit, écoute Chalandon, voilà Chalandon Libération, une échoppe misérable. Oh. Et moi, j'ai écrit quoi? Une boutique crasseuse, d'accord? Les mêmes gens, même lieu. Toi, c'est la misère de la Palestine. Moi, je dis, mais il prend un balai, une serpillière, et c'est nickel. Et tout d'un coup, j'ai compris. Même lieu, même reportage, même sensibilité. Pépé était comme moi. Sensibilité, veut dire, on a souvent eu les larmes aux yeux ensemble, mais brusquement, échoppe misérable, boutique crasseuse, par un ensemble de mots, brusquement, il y avait un journal. Il y avait un article du Figaro et un article de Libération. Et ça m'a bouleversé parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pas mis en scène du tout. Mais en revanche, par le choix des mots, brusquement, c'est bêtement à dire comme ça. Mais il y avait un article de droite et un article de gauche. Il y a la régie finale qui me dit qu'il faut qu'on stoppe. J'ai dit une grosse bêtise. Évidemment qu'il n'y a pas d'évacuation générale. Tout va bien, au contraire, ça continue. Juste ce mot pour vous dire que Sorge a fait un truc qu'Albert Londres n'a jamais réussi. C'est qu'il a écrit des romans. Et Albert n'y est jamais parvenu. Pas mal. Au revoir. Merci. Merci, Albert.